Salut tout le monde. Alors attendez deux secondes, je remets bien mon éclairage. Je ne l'ai pas bien mis. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour présenter la création. Non. Comment j'ai peint mon nouveau custom. Donc, je vais juste vous expliquer comment j'ai pu. Donc, il est là, mon nouveau custom. Eh, mais calme. Donc, il a un peu la tête un peu gourde parce que je vais raccrocher quelque chose sur la tête. Mais je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemble et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc voilà, pour le moment il est tout blanc. Donc j'ai fait juste la couche blanche. Parce que oui, il faut toujours faire une couche blanche. Donc j'ai fait en sorte que le corps soit le plus blanc possible. Les crins et les sabots, j'ai fait pas forcément blanc parce que les sabots vont être un peu crème. Et les crins vont être verts. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, parce que c'est une licorne. Et pour la corne, j'ai pris un cure-dent que j'ai collé avec un pistolet à colle. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a la tête un peu plus lourde de ce côté-là. Parce que, voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Donc en vidéo, je voulais vous présenter comment je vais le peindre. Enfin, la suite, parce que la couche blanche, je trouve que c'était pas du tout intéressant. Donc maintenant, on va faire les crins, les yeux, les sabots. Et c'est tout. Voilà, donc c'est parti. Let's go! J'ai fait les sabots en crème, en crème. Je vais juste repasser en noir ce qui dépasse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mon custom terminé avec sa corne blanche donne ça. Donc je sais pas si je le vendrai. Dites-moi en commentaire si il pouvait vous intéresser. Sinon si je le vends, ce sera sur mon site. Il y aura le prix. De toute façon, il sera en photo sur mon site.
Bon, à part qu'il tombe assez souvent parce que du coup la tête commence à être un peu lourde avec la corne en plus. Donc je l'ai bien collé la corne, sinon si elle se décolle, il faudrait la recoller, mais normalement je l'ai bien collé. Je vais voir que le petit va par la corne quand même, donc je pense qu'elle est bien collée. Donc voilà, après il est assez grand hein, du coup. Il fait, donc voilà Sweetie, voilà le... Donc déjà le cheval est grand, mais avec la corne, il fait Sweetie en plus. Sweetie, mais n'importe quoi. Je me suis totalement perdue. Voilà Alan, il fait une Alan en plus. Donc c'est deux teckels pour égaliser avec la corne. Donc il est assez grand. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je viens de vous le dire. J'aime beaucoup les yeux que je lui ai fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, à part ce côté où j'ai un peu raté. Sinon, bah, plutôt réussi, je trouve. Donc voilà. Donc voilà les gens, donc de toute façon sur mon site, le lien de mon site en description, parce que si vous intéresse et que vous voulez par exemple si je le mets en vente, donc juste dites moi en commentaire si vous voulez que je le mette en vente ou pas. Donc déjà peut-être la corne je vais la modifier, je ne sais pas, peut-être que je vais faire derrière comme sur les yeux mais à la corne, je sais pas, donc voilà. Bref, vous me dites en commentaire et je vous fais de gros bisous, bye. Donc voilà, mon custom terminé avec le verre.